bienvenue de notre commune de Saint-Juil. Jean-Michel Ali de Cocody, qui a choisi Saint-Juil pour cette première édition. Nous souhaitons que la deuxième serait encore meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai mes grands-mères qui sont là, je ne vais pas être plus long. Il y a mon aîné qui est en train de me tirer la peau du dos pour qu'il dit que je suis le président du Forum des livres. Voilà. Du retour sur le temps de cet échec, avec qui on a débuté les discussions depuis le mois d'octobre, pour octobre dernier. On a vu que c'était pour nous quand même important d'apporter une formation sur le partage de connaissances internationales qu'il a acquis durant tout ça, enfin, depuis son titre de champion olympique. C'était quand même parce que beaucoup de partage, ses connaissances, ses amis, ses qualités de son pays. Et aujourd'hui, on a vu que tout le monde est content. Vraiment, merci Séchec. Salut Ruth, Dieu merci de toi bien. On espère que ces coups de pied qui sont passés aujourd'hui vous porteront chance pour les prochaines échéances. Et vous demanderez que les champions de pays, ce n'est pas un hasard. Je vais te dire un mot, et 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 je vais
puis à Beirut, accompagné par leur jumeau de toujours, à Nice. Et pourquoi initier ce partage au bout, cela demande que chaque cité n'est pas un égoïste, qui tient à la tête de lui, tout le monde qui est là, et il a terminé le champion pour l'Olympique. Ça veut dire qu'il a envie de partager avec vous, ce qui a fait de lui un champion pour l'Olympique, afin que vous les mémorisiez, vous les appropriez, et que vous puissiez devenir un champion. Ce partage est lui. Et sois sûr que tout ce qu'il a passé en comme culture, comme technique, c'est resté dans les droits de la main d'esprit. Et un jour, tu verras un jour qui est chacun de l'épisode de la culture et dans le cadre de la Amen. Donc je les remercie encore pour leur humilité, je les remercie pour la perspective de tout, et je les invite à continuer comme ça, que ce soit la première fois, que ce soit la dernière fois, qui est aussi un jour, un training. A Beirut aussi, qui est un training camp, un deuxième training camp, et chaque succès, et pour avoir un deuxième training camp, à Beirut, chaque succès, pour que toujours, vous appreniez que vous avez davantage. Je les remercie encore. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de partager toutes ces techniques-là avec vous. Mais à la fin, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Voilà. Aujourd'hui, je suis champion olympique, mais je vais vous dire une chose. Dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de champions en Côte d'Ivoire. Je vais citer Ogo Seri, Sébastien, il y a eu tellement de champions. Mais si j'ai été champion olympique, si je suis champion olympique, c'est pas parce que je suis le plus fort, vous voyez un peu. C'est pour dire que pour être champion, c'est pas seulement le talent, tu peux être talentueux. Mais si tu ne respectes pas ton maître, si tu ne respectes pas les gens, si tu dis que tu t'en fous, tu es talentueux, tu ne t'entraînes pas, tu ne peux jamais être champion. Vous voyez un peu. On n'a pas besoin aussi d'être dans le beurre, quand je suis dans le beurre, et avoir tout l'or du monde pour être champion. Est-ce que vous savez où on a débuté les entraînements aujourd'hui? Vous avez la chance de vous entraîner sur le tapis. Quand je vous entraîne, vous avez la chance de vous entraîner. Et avant, c'est amener le sol. Vous sortez, vous allez aller. Vous avez vu que son contrôle est rue, tout le monde. Vous voyez un peu. Et on voulait être champion. On s'est mis au travail et on a respecté surtout nos maîtres. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes des hommes. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est Dieu. Vous voyez un peu. On dit le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Vous voyez? Tu peux être le plus fort actuellement, tu es le meilleur, mais tu n'es pas champion. Mais ne te décourage pas. Ouais, tu dois continuer de travailler. C'est ce qui veut dire cette phrase du temps que tu n'es pas celui des humains. Et il y a une chose aussi qui est très importante. Il faut être très reconnaissant dans la vie. Aujourd'hui, je tiens à saluer une personne qui a fait beaucoup pour moi, qui a beaucoup fait, même plus que mon père, les maîtres de Christian ici. Mon père, pour la petite histoire, je fréquentais à Le Bougon, et les samedis et dimanches, j'écoutais Le Bougon, je dormais dans le bureau de mon père, je dormais chez mon maître avec sa famille, dans une petite maison comme ça. On partageait les repas ensemble, les tours ensemble, les matins, dimanche matin, on se réveillait. Donc, quand vous voyez aujourd'hui on est champion, je ne pense pas que c'est bien ça. On a travaillé. Vous voyez, si vous êtes des champions, vous travaillez. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas être long. Je suis avec toute ma vie, ma soeur, mon oncle, je suis avec Cassian, mon frère, mon oncle. Et je veux aussi passer la parole pour que je vous donne quelques petits conseils aussi. Ok, merci. Merci à tous nos présents.
quelque part d'autre. Quand on s'entraîne avec la rage, on a une objectif et on s'entraîne avec la rage pour atteindre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Hein? Nous étions à Tokyo, pardon, à Rio. On est allé à Rio tous ensemble. Viens ici. Regardez, regardez. Non, non. On descend.
le maximum. Ça, c'est le maximum. C'est ça. Tout le monde fait le maximum. Allez, le maximum. Le maximum pour moi. Et maintenant, hein, on va juste à gauche comme ça. Et on descend encore au maximum. Comme le maître, hein, comme ça. Hein? Oh. Allez, à gauche, tout le monde. Tout le monde à gauche, tout le monde à gauche, tout le monde à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, allez, allez, allez. Ok, on revient à droite, on revient à droite, on revient à droite, on revient à droite. Et on descend le temps. 10 seulement, 10 seulement, ok. Les jambes écartées, on se bouge. Ok. Voilà ce qu'on fait. Bras gauche, pied droit. Bras droit, pied gauche. Voilà, voilà, je vous montre. Voilà, exemple, voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Bras gauche, pied gauche, voilà, comme ça, hein. Bras gauche, pied droit, comme ça, un, on revient, un, on revient, un. Allez, on fait 10 seulement et puis on s'en va, hein. Allez, 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 un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et 10. On reste là, on reste là. Regardez, regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Et puis on bloque comme ça. Hein? La méthode cubaine. Allez, top 1. Mais ils sont venus. Ils sont venus, revenus au pays. Et pour aider à assurer la relève. Parce que tous ceux qui sont là, c'est la relève du Taekwondo. Un futur champion olympique. Je vous dis qu'on aura le champion de la République parmi ceux-là. Ceux qui les ont observés, ils ont déjà le feeling du champion. Avec le travail, tu vas suivre, je suis sûr qu'il y a des médailles olympiques qui vont tomber grâce à eux. En tout cas, je vous remercie. Merci aux parents qui ont bien voulu permettre à leurs enfants de participer à ce stage. C'est un stage très important, très enrichissant. Vous avez vu que ceux-là, ce sont les futurs cadres de l'école. Ce sont des cadres, des nouveaux cadres de l'école qui sont formés à l'IEGS. Ce sont les futurs docteurs de l'école.
Sinistrando la porta sarà di lavorare tutti, perché oggi noi siamo il campione del Paese.